Bonjour à toi, moi c'est Emma Lafourcade, je suis présidente du bureau des étudiants du département GEA. Donc qu'est-ce que c'est le département GEA? Ben, c'est un département qui s'occupe de la gestion des entreprises et des administrations. Aujourd'hui, ben, je vais te présenter l'UIT où je fais donc ma formation. Je vais te présenter donc les différentes classes qu'on utilise pour mes cours. Donc je te propose de me suivre, je vais te présenter l'amphithéâtre. Donc ici, on a donc un grand amphithéâtre qu'on divise par deux. Donc je vais te présenter l'amphithéâtre B. Donc il y a ma promotion qui est à cours en ce moment même. Donc voilà. Donc c'est un amphithéâtre donc avec des deuxièmes années de GE1. Ils vont faire un cours de management. Donc ici, on fait des cours avec une promotion entière. Et marketing, bon voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que je vais te présenter. Je vais faire la suite. Donc ensuite, je vais te montrer des classes qu'on utilise pour tout ce qui est travaux dirigés, travaux pratiques, avec un plus petit nombre de personnes. Donc ici, avec les mesures sanitaires, on utilise un centre de circulation pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre dans les escaliers et qu'il y ait un risque de transmission de la maladie. Donc on suit les flèches, on ne doit pas aller à contresens, c'est très bien expliqué. Alors ici, c'est la salle de 204, il y a un cours, j'y rentre. Donc ici, donc, c'est une salle qu'on utilise pour tout ce qui est informatique, pour tout ce qui est donc informatique, mais aussi des travaux pratiques. On va pouvoir utiliser des ordinateurs pour tout ce qui est Word, Excel et PowerPoint, et on l'utilisera aussi pour des cours de base. Voilà. Donc ensuite, je vais te montrer une autre salle. On va arriver au bâtiment C. Donc là, c'est beaucoup les HSE qui utilisent ce bâtiment. Nous, on y va très rarement, sauf donc pour les langues. Hop là, donc on arrive à la salle 316. Donc cette salle, viens, rentre. Donc cette salle, on l'utilise donc pour les langues parce que nos cours sont principalement informatisés. Donc on va avoir des cours sur internet, c'est un logiciel qu'on appelle Moodle. Donc tu feras tous tes cours d'anglais, parce qu'on utilise ouais, donc, pour ça, grâce aux ordinateurs. Donc voilà. Ensuite je vais te montrer la bibliothèque. Donc comme tu peux voir, on a une très belle vue des LUT, avec vue sur la cathédrale, vue sur la chapelle. C'est très agréable. Et donc là, on arrive à la bibliothèque. Donc voici notre bibliothèque universitaire. Donc cette bibliothèque, on va l'utiliser surtout pour travailler, se relaxer. C'est un endroit donc très calme et qui est très agréable. Il est équipé de Wi-Fi, de matériel informatique et de documentation. Donc voilà. Et bien, j'ai fini ma petite visite de l'UIT. J'espère que ça t'a plu et j'espère aussi surtout te revoir l'année prochaine en espérant que ça se passe bien avec Parcoursup.